Avant même la naissance de son petit-fils, le prince Charles est, déjà, un grand-père soucieux. En effet, ce dernier a avoué avoir quelques appréhensions concernant le futur du premier enfant de Meghan Markle et du prince Harry lorsque la naissance de celui-ci a été évoquée lors d'un voyage. Et pour cause, lorsque le père du prince Harry regarde vers l'avenir, il n'est pas complètement rassuré. Le prince de Galles craint fortement pour l'avenir de sa famille dans ce monde pollué, endommagé et détruit, a-t-il déclaré lors de sa dernière visite au Ghana en novembre dernier, comme le rapporte The Sun. Cela me semble complètement insensé de leur léguer ça, a-t-il expliqué, pensant aussi à Charlotte, George et Louis, les enfants de son premier fils, William. À 70 ans, le prince Charles n'est pas insensible au réchauffement climatique et sait que l'avenir de la planète est incertain. La quantité de plastique présente dans l'océan ne cesse d'augmenter et la situation s'aggrave. Nous ne pouvons, ni ne devons, laisser cette situation se poursuivre, dit-il. L'ancien époux de Lady Diana, soucieux de l'environnement, ne peut s'empêcher d'avoir une pensée pour la future génération. Tous les petits-enfants méritent un monde meilleur, a-t-il ajouté.